Salut à tous, bienvenue dans la Genèse Club Zion. Bon les enfants, les amis, je vais aller rouler tranquillou, je vais faire quoi, 90 bornes, 800, 900 mètres de D+, donc je vais rouler tout seul, enfin presque. Je vous expliquerai plus tard. Allez, à toutes. Donc les gars, voilà, ben me revoici. Donc, comme je vous disais, je suis parti rouler tout seul, mais pas que. En fait, j'ai roulé, alors c'est tous ceux qui ont un Garmin, d'accord, parce que moi je roule avec un Garmin, avec un Edge. Alors je sais pas si les autres marques style Wahoo, enfin bref, toutes les autres marques font cette application, c'est-à-dire ce mode, c'est le mode Phantom. Ou le monde virtuel, de chez Garmin. Alors je vais un petit peu vite fait vous montrer ce que c'est. Alors c'est quoi le monde virtuel? Alors le virtuel, le Phantom, c'est ceci. Donc tu vois, en haut il y a mon Phantom. En bas, là, c'est ce que je roule en ce moment. Et là, j'ai 2,55 d'avance et 6 minutes 07 d'avance. Tu vois, là, tu as les kilomètres ou les mètres. Et là, tu as les minutes et les secondes. Ok, tu comprends. Donc, tu vois, mon Phantom, il est en arrière parce que je suis en avance. Ok. Donc l'avantage c'est quoi d'utiliser ce style de mode? Ben en fait quand tu roules tout seul, ben en fait tu te tires la bourre avec toi-même. Donc là, pas d'excuse de dire que lui il est plus fort que moi, pas d'excuse de dire que il y a Gana et pas moi, etc. Toi, c'est toi tout simplement. Est-ce qu'on va pour la tremblote? Mais tu vois, comme je roule un petit peu, j'ai un peu la tremblote, ouais c'est vrai. Donc moi l'avantage de ce style de mode c'est que tu vois moi quand je roule comme ça je ne mets pas le capteur de pédalage, je ne mets pas le cardio, je roule qu'avec les sensations, donc je mets que la vue donc Phantom et je roule comme ça je vois si je suis en avance ou si je suis en retard. Et je fais qu'aux sensations. Donc tu peux mettre bien sûr ton capteur de cadence ou de pédalage, mais tu vois, pour avoir après, pour avoir tes moyens et tout, mais tu ne vois pas. Tu fais qu'aux sensations. Et je peux te dire que ma mamie, comme tu progresses avec ça, parce que ben, quand tu as l'habitude de rouler tout seul, eh ben là, au moins tu roules à deux. Eh ouais, et tu roules contre toi. Et tu vas voir les. Ben, en fait, tu vas te sortir les doigts du cul, quoi. Tu vois? Donc j'ai pas beaucoup, j'ai 2,55 km, 6 minutes d'avance. Au départ, j'avais un détour des travaux et j'ai fait 1,5 km de plus. Donc je me suis foutu un petit peu dans le rouge pour revenir un petit peu sur mes temps. Donc je pense que je risque de le payer sur la fin parce qu'après à la fin j'ai une bonne petite bosse. Donc pour ceux qui connaissent, c'est ce nom, direction Cazoul, ça monte, voilà, c'est irrégulier, c'est un petit peu de toboggan, enfin, je risque de le payer un petit peu vers la fin. Allez, on verra ça, je vous dis quand je rentre. Allez, à toutes. Bon alors, qu'est-ce que ça donnait? Bon, j'ai pas fait de suite parce que je suis cuit, je suis mort. Déjà, d'un, je pars, travaux, détour. Des tours de bien, allez, 700-800 mètres, ouais. Lui, le compteur, il s'en branle, tu vois. Lui, il continue, pour lui, il te met hors parcours. Donc, tu perds pas mal. Donc, j'avais pratiquement, quand j'ai repris dans ma trace, j'avais pratiquement 2 km de retard. Donc, j'ai bombardé comme l'inculé, tu vois, comme on dit. J'ai rattrapé mon retard. Donc, je me suis un petit peu grillé les cartouches, tu vois. Et il savait qu'à la fin, ces cartouches-là, j'allais. Elle allait me manquer, tu vois. Et donc, quand j'ai fait, donc, juste avant, j'ai fait la petite vidéo, j'avais, je crois, 6 minutes d'avance. Et bien, là, je suis rentré à la maison, j'ai
1 minute 20 d'avance. Donc, ce qui veut dire que j'ai roulé moins vite. Parce que je me suis fait rattraper. C'est vrai qu'à la fin, j'étais mort. Mais alors, mort de chez mort. Alors, j'ai pas foutu mon compteur, mon Garmin, parce que bon, je sais pas combien. Je sais que dans le parcours que j'ai fait, donc l'ancien, donc avec qui je me suis tiré la bourre, j'ai roulé à 29 de moyenne. Là, je sais pas, mais je pense que j'ai roulé moins vite. Moins vite. Je verrai tout à l'heure. Donc voilà à quoi ça sert le mode fantôme, c'est à te tirer la bourre eh bien, avec toi-même. Alors je répète depuis le début, donc pour tous ceux qui ont un Garmin, d'accord, ou même une montre, hein, parce que ça marche aussi, les mecs qui font la course à pied, c'est pareil, c'est le même. Hein. Tous ceux qui ont un Garmin, un Edge, tu vois, ou voilà, si t'as pas de Garmin, ben c'est mais fais foutre ta gueule mon gros. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, je déconne, suite, oh, attends, pour que tu te prends. Donc après, je ne sais pas si les Wahoo, si les Sigma, je ne sais pas si donc, ce mode-là, donc fantôme ou virtuel, tu vois. Donc tu prends un parcours que tu as l'habitude de faire. Hein. Tu l'enregistres sur tes parcours favoris. Ok. Et quand, donc le jour J, hop, tu te mets ce parcours favori, tu vois, il va calculer, il va chercher, et tu pars. Par contre, la petite chose, il faut que tu te mettes sur la page donc, virtuelle, avec le fantôme en haut et toi en bas. Tu peux avoir tes capteurs de pédalage, de puissance, ta ceinture cardio, ce que tu veux, mais il ne faut pas que tu le voyes. Donc en fait, il faut que tu roules qu'avec ton fantôme, c'est tout, et que tu roules qu'avec tes ressentis. D'accord ? Et ça, ça te permet un petit peu eh bien, de te sortir, comme je te dis, les doigts du cul, de ne pas avoir ta tête figée sur ton cardio ou figée sur ton capteur de puissance. C'est tout ton ressenti. Et tu vas voir que ce n'est pas évident. Ouais, parce que là, comme je dis tout à l'heure, tu peux pas te cacher, tu peux pas te dire que tu te tires la bourre sur un mec. Là, c'est toi. Voilà, tu vois, c'est voilà, là, c'est toi. Donc, tu prends ce parcours et si tu l'améliores, t'as mieux. Donc, si tu l'améliores ce parcours-là, l'ancien, tu le vires, d'accord. Et ton parcours favori, tu mets celui, bien sûr, où tu as fait un bon résultat. C'est qui est logique. Comme ça, la prochaine fois, eh bien, tu vas te rejauger par rapport à celui-là, et ainsi de suite, et c'est comme ça qu'on progresse. Et ouais, tu vois un petit peu l'affaire. Voilà, moi ça fait des années que je le pratiquais, c'est vrai que j'avais comme oublié de vous le dire, je le pratiquais ça beaucoup en VTT. Et tu vois, tout à l'heure, tu vois, donc en partant, j'ai fait un petit détour avec des travaux. Lui, le compteur, lui, ça me branle. Il m'a marqué hors parcours. Mais par contre, mon fantôme, lui, il a tracé comme il n'y avait pas de travaux, tu vois. Donc j'ai perdu pratiquement. Lui, il a été en avance de 2 km. Et je peux te dire que j'avais pratiquement 3 minutes et quelques de retard. Donc j'ai tiré la bourre et j'ai rattrapé mon retard. Je m'ai rattrapé mon retard quand même un petit peu assez loin. Donc pour ceux qui connaissent ici la région, j'étais donc mon retard, je l'ai chopé à Vendre. Non, à Lespignan, pardon. Je l'ai chopé à Lespignan et je l'ai rattrapé à Capestan. Ouais, à Capestan, j'ai rattrapé. Donc tu vois un petit peu l'écart. J'ai bourré comme un âne, tu vois. Donc, bien sûr, j'ai grillé des cartouches. Et je savais que ces cartouches-là, eh ben, elles allaient me manquer sur la fin. Eh ben, pas de bol, bien sûr. Donc, quand j'ai fait la vidéo, que j'étais au-dessus de Saint-Chinian, j'avais 6 minutes d'avance. Et je suis rentré à la maison, j'ai 1 minute 20 d'avance à peine. Tu vois, donc voilà. Donc, j'ai roulé moins vite. Même si je suis en avance, j'ai roulé moins vite puisque ça m'a rattrapé. Enfin, je pense, parce que je ne vais pas regarder le compteur. Hein. Je sais que le parcours, l'autre, je l'avais fait en 29 de moyenne. Là, je ne sais pas, mais je pense pas. Alors, je regarderai tout à l'heure, mais je pense que j'ai fait moins. Ok, les gars. Donc, voilà, c'est une autre façon de t'entraîner. Quand tu roules seul, c'est une façon ben, de te tirer un petit peu sur la gueule. Et donc, c'est pas beau la technologie. Et les enfants, là maintenant je suis cuit, je prends dans ma douche, je vais bouffer et je vais partir me reposer au travail. C'est cool ça, non? Non, je dis quoi, parce qu'après ils vont dire oh, tu te bras le travail et tout, non, non. Et après je vais aller bosser. Et les amis, si vous avez aimé cette vidéo, partage-la, like-la. Et n'oublie pas la chose du que le cul te pèle. Allez, bise, ciao, ciao, bye, à la prochaine, peace.
Ha 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 ha